Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire montrer une pizza au chocolat, la première pizza au chocolat qui est faite par une usine. Alors ça s'appelle Dr. Oetker. Okay. Alors voilà, c'est une pizza au chocolat, ça s'appelle Ristorante. Et ici c'est écrit en espagnol et c'est du chocolat au chocolat. Elle est faite en tout chocolat blanc, chocolat noir. Alors si vous voyez chocolat ici, ils ont voulu faire les choses en chocolat blanc pour faire comme si c'était du gruyère. C'est pas du gruyère. Après, on a les petites boules comme si c'est de la viande. Et c'est des petites boules au chocolat noir. Et après tout le reste, à la place de la sauce tomate, c'est de la sauce chocolat et c'est au chocolat au lait. Et là, on va vous faire montrer un ouvert. Et le cuit. Et là, on est en train de cuire une pizza. Ma maman, elle va nous la ramener quand elle sera cuite. Et c'est tout sucré. 10 à 11 minutes. Voilà, la pizza ouverte, elle est bien mou. Léo, ça serait mieux si c'était plus. Regardez, attends. Tiens ça, Léo. Tiens ça. Voilà. Attends, c'est mou. Ah ouais. Ah, c'est tout bizarre. Voilà, là on voit le chocolat blanc et là les autres chocolats, les petits grains. Ça a l'air d'être trop. Et regardez, elle est bien. Ça a l'air d'être trop. Avec la bonne pâte. Et c'est, on dirait de la pâte sablée. Et avant, il faut le mettre au congélateur. Et avant de faire, mettre à cuire, il faut le sortir une ou deux heures. Voilà, on va se retrouver tout de suite quand la pizza sera cuite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite. Voilà la pizza dans l'emballage. La pizza cuit et la pizza quand elle est froide. Ah, ça sent trop bon. Ça sent trop bon, on a trop envie de manger. Et juste en la regardant, elle me donne trop envie. Ça fondu. Oh. On va vous faire montrer une photo. Trop bon, la bonne odeur. Bon, voilà, on va prendre une part. Allez, je suis prête. Attends, ma part, elle est là. Attends, on goûte tous en même temps. Ma part. On goûte tous en même temps. Alors voilà, on va vous montrer. Je vais vous montrer. Léo, baisse-toi. Voilà, c'est comme ça. Ça a l'air d'être trop bon. Ouais. Allez. Il goûte le chocolat dans l'esprit, mais pas. Trop bon. C'est trop bien, vous dans la pizza. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est parce que toi, tu vas. C'est, Léo, il va pas aimer parce que c'est du chocolat noir et on sent fort le chocolat noir. Ouais. Alors, moi, c'est beau. Mais c'est trop beau avec le chocolat blanc. Le chocolat blanc, j'ai pas goûté encore. Et la peau, la croûte. La croûte, elle a pas de goût. Si, elle a le goût de chocolat. Ouais. Non. La pâte, c'est une pâte au chocolat. Ah, c'est trop bon. C'est le fondant qu'on sent le mieux, le plus. Parce que c'est le chocolat noir. Je vous la recommande. Le chocolat blanc, il n'y a pas de goût. Moi, au début, j'ai trouvé du chamallow. La sauce, c'est du chocolat noir. Ça, c'est du chocolat blanc. Mais ça, je sais pas c'est quoi. Du chocolat noir, j'ai goûté. Ah ouais. En fait, si vous voyez sur celle-là, on voit il y a des petits carrés comme ça. Et ça, c'est du chocolat noir au lait. Et le reste, c'est tout du chocolat blanc. Du chocolat noir qui est perdu là. Je suis dans le pays du chocolat là. C'est bon, mais je pense que c'est un peu trop cuit parce que c'est dur. Non. Ah, ça va. Moi, c'est beau. Mais ça va, ben, c'est bon. Moi, beau. Si je pourrais manger tous les soirs ça, manger toute ma vie. Non, une part chacun. Non, pas une part. Non, une pizza. Sans part. Là-bas, regardez.
Et tout ça, c'est pour moi. Ça, c'est trop bon. Trop bon. Oh là là, c'est trop bon. Moi, je la savoure, là. Je la laisse et tout. C'est trop bon. En fait, là, c'est une pâte toute dure. Mais là, en fait, le chocolat au-dessus, eh ben, il a imbibé le biscuit. Alors, ça fait tout mou et tout... Faut l'acheter. Je la recommande trop. J'ai envie d'avoir 100 paquets de pommes. Alors voilà, je vous donne une idée. Si vous pourrez la faire, vous l'appellerez la pizza Léo. Alexia Léo. Oui, Léa Alexia Léo. Alors on voudrait que vous faites des mini pizzas pour les enfants. Vous voyez, comme on achète des mini pizzas quand on n'a pas trop faim ou un truc comme ça, des mini pizzas en rond, ben, ça serait bien si vous faites pareil, des mini pizzas en rond au chocolat. Ça serait, c'est une bonne idée. Et sauf vous l'appellerez Léa Alexia Léo. La voilà. Pizza créée par Léa Alexia Léo. Voilà. On vous donne des idées maintenant. C'est nous les commandants. Mais en tout cas, vous l'avez trop bien fait cette pizza. Elle est trop bonne. Voilà. Il n'y en aura plus ce soir. Je vous jure, en 3 jours, il n'y en aura plus. Genre, 30 minutes, il n'y en a plus. 30 minutes, il n'y en a plus. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, abonnez-vous, laissez des petits commentaires, partagez et laissez des pouces bleus. Bye bye. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste ici pour avoir toutes nos vidéos et toutes les notifications. Et cliquez sur le flash code juste ici pour être directement sur notre chaîne. Et courez pour aller l'acheter. Courez, trouvez le raccourci. Je vous dis qu'il y en aura plus parce que mes parents, ils ont cherché partout. Oui, on a cherché, ben, mon père a cherché sur presque tous les sites pour la trouver parce qu'en fait, on est les premiers Français à faire cette vidéo. Oui, c'est trop. Oui. Bye bye. Alors, bye bye. C'est trop bon. Ah voilà, on va vous mettre deux vidéos, la mienne, une avec moi dedans et une avec Alicia. Allez voir la mienne. Allez voir la mienne. Je fais beaucoup de vidéos slime et tout. Ben moi, je fais beaucoup de vidéos 3D. Mais c'est moi la meilleure en fait. Mais c'est moi la meilleure.